Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing a bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to her kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she's free. She, we gather most of our lives, sleeping, sacrifice most of our lives. Oh, we gather everything money could buy. She's leaving home after for so many years. Father snows how his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down. Sun, do, do, do. Here comes the sun, and I say, it's alright.
fa et pa 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 et pa 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 la p. Allez, refais B. Maintenant je te dis plus rien, tu refais B, vas-y. Actualité locale avec votre journal d'information et les titres qui sont développés dans un instant. Au sommaire de ce journal, un spectacle musical et poétique, Peer Gynt, une pièce qui vient tout droit du Danemark. Et pour transmettre cet univers un peu particulier, plus d'une centaine d'artistes sur les planches, levée de rideau en fin d'édition. En culture, plongeons dans les coulisses d'une pièce de théâtre. Les planches de la nacelle risquent de trembler à Aubergenville. Et oui, puisque pas moins d'une centaine d'artistes se produisent dans la pièce Peer Gynt, une pièce poétique sur une quête d'identité. Le texte est danois, mais les comédiens sont yvelinois. Une jonction de talents de trois établissements, l'école de création du théâtre du Mantois, l'école nationale de musique de Mantes et le conservatoire communal de Limay. Résultat, un spectacle musical fascinant. Valentin Riglet-Brussy et Raphaël Dacruz ont assisté aux dernières répétitions avant les représentations prévues ce week-end. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'il entend les cloches d'une église sonner au loin. Ils font les cloches. Est-ce que vous avez des cloches ? On peut faire ? Derniers instants pour que les cloches et tous les protagonistes de Peer Gynt se mettent au diapason.
L'école de création du théâtre du Mantois, l'école nationale de musique de Mantes et le conservatoire de Limay ont mis en scène une version courte de ce poème symphonique et dramatique danois écrit au XIXe siècle. Une œuvre dense et foisonnante dans son texte comme dans sa musique. La partition musicale pour les musiciens de l'orchestre est très difficile. Il y a certaines pièces qui sont très ardues. Pour le chœur aussi, on a essayé d'adapter. On a fait des traductions du norvégien en français. Quelques textes sont chantés en allemand. On a fait un peu un mélange de tout ça. On a essayé de faire une partition qui est quand même très proche de l'original et qui va montrer au mieux les capacités à la fois de l'orchestre et du chœur. Sur la scène de la nacelle, près de 100 personnes sont réunies pour raconter cette histoire d'un jeune Norvégien en recherche d'identité. Un voyage et une quête qui va le mener jusqu'au Maroc avant de rentrer chez lui. Musicien, comédien, mais aussi choriste d'une école primaire de Limay. Une vraie fourmilière qui n'a pas effrayé le metteur en scène de la pièce. C'est très très agréable. Moi j'aime beaucoup la musique, de scène. C'est une musique de scène, Peer Gynt à la base. Donc après c'est particulier parce qu'effectivement les modalités des musiciens ne sont pas exactement les mêmes que celles des acteurs. Il faut s'adapter, chacun s'adapte. Mais voilà, c'est plutôt très amusant en tout cas. Tous les artistes auront deux représentations ce week-end pour montrer l'intensité et la fantaisie de ce conte danois. Un dernier moment de théâtre dans la saison de la nacelle.
with a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. Even though my inhibitions have disappeared without a trace, I'm mad. Oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that's every good vibes on. Say at the speed of Jeeva. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom, sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Sur le noir et blanc, des créatures polaires.
Vous avez complété le petit livre avec l'histoire dedans ou pas? Non. Vous avez fini? Non, moi j'ai pas le feuille noire pour ouais, le faire. Je te donne du papier noir et tu le fais, tiens. Ouais, mais on n'a pas le droit d'écrire, on doit faire sa queue. C'est comme une bonne idée. Ah si, je suis bête. C'est la fin de l'année. C'est quoi ça? Tiens, ouais, regarde celle-ci. Tu vois, tu peux t'inspirer. Oui, si tu veux. Elle a fait une belle idée, Janda. C'est mieux de fermer les volets. Regarde celui-là comme il est magnifique aussi. Non, après on te redécoupera mieux. Je sais, je crois que c'est pas bien, je fais ça.
J'y vois. Ceux qui faisaient les bonnes chansons maintenant regardent. Et ceux qui faisaient les bonnes.